Salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Nightingale sur PC avec Flo Patate. Et en me reconnectant aujourd'hui, j'ai vu Puck, du coup je lui parle, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ho ho ho, la seconde des explorateurs tient ses promesses. Une subordonnée obéissante, elle n'aime pas trop les fées, mais qui peut lui en vouloir? Bien que je regrette que le retour à Rossignol doive attendre de nombreuses lunes. Le recours de Nelly a ravivé votre enthousiasme, à ce que je vois. Le présage que je porte est donc inopportun. Les chuchotements se multiplient. Il y a quelque chose de pourri dans les mondes et il s'agit bien plus que du requiem chanté pour la Terre. Alors que je prenais une forme nocturne, un petit jet me soufflait à l'oreille des informations sur les ténèbres passées et à venir. La pâleur n'est peut-être que le début des malheurs à affliger les humains. Cependant, on ne peut pas faire confiance à tous les jets. Et c'est pourquoi avant de tout vous dire, je vais fouiner là où je peux. Pendant que vous cherchez des entrailles pour Nelly Bly. Ok, donc oui, ça fait suite aux quêtes de Nelly Bly. Du coup, Nelly Bly qui nous disait bien évidemment d'aller faire des quêtes trop chiantes. En gros, pour résumer, c'était ça. Et donc, il faut que je dorme. Donc, hop, repos long. Ah mais c'est repos long là. T'es en haut toi encore ou pas? Pourquoi repos long? Bah parce que j'ai pas le choix apparemment. Il est grand jour là. Bah oui mais apparemment j'ai pas le choix. Attends, je suis coincée. Oui je sais pas. Ah non, peut-être qu'il fait nuit mais dans le désert il fait tout le temps jour, t'as compris ou pas? D'accord, ouais, on fait comme ça. Peut-être que c'est la nuit mais en fait c'est le jour. Tu vois? T'as compris? T'as capté ou pas? J'ai capté. J'arrive. Allez plus vite. Du coup, ouais, voilà, on a pris les quêtes de l'autre con, enfin de Nelly, pardon. Mais le problème qui se pose, c'est que là, on a eu un peu de chance de monter. On a galéré, mais on a réussi. Et faudrait pouvoir remonter, descendre un peu quand on veut. Ça serait le meilleur, ça serait le mieux. Vu que là, on doit faire des quêtes pour elle. Ça veut dire qu'à un moment, on va devoir lui rendre. Donc, il faut qu'on revienne à elle. Sauf que là, actuellement, voilà quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Indisponible. Un coffre. C'est un coffre et c'est là-dedans où ils mettent les trucs, les petits robots là. Très bien, j'adore. Ils mettent des cailloux. Donc eux, c'est des robots gentils. Donc peut-être que t'es en train de me dire que on pourra nous-mêmes avoir des robots plus tard. Peut-être. C'est ça que t'es en train de me dire là. Et ce que t'es en train de me dire d'autre, c'est que là, pour redescendre, ça va être chiant. Bah, alors j'ai commencé à construire un escalier là-bas, mais comment dire? C'est de la merde, dis-le. C'était de la merde. C'est complètement de la merde. Même, je dirais. C'était où? Non, c'était pas là. Bloc de pierre schiste. Merci. Du schiste. So am I still waiting? Plein de blocs de pierre de partout. C'est génial, mon inventaire est trop lourd. Ah merde. Ça c'est moins génial. Moi je mets tout dans les poches de mon petit pote. C'est en fait, vrai qu'on peut extraire aussi. C'est ta mule. Exactement. T'es où? T'es là-bas. Dans l'escalier de merde, il est où? Alors, mon début d'escalier de merde, tu veux dire? Ouais. C'est ce que je voulais dire. Attends, parce que là, on peut remonter là. Donc tac tac tac. Là on peut descendre. Là ici on peut remonter. Ouais, ok. Là on peut encore descendre.
Et notre camp, nous, à la base, il est là-bas, c'est ça, il est dans cette direction, ouais. Et c'est à partir de là que c'est complicado pour remonter. Ouais, c'est ça. So am I still waiting? Ah oui, et du coup, t'avais regardé par rapport à la grotte que je te disais si elle menait quelque part en vrai pour remonter? Non, t'avais pas. Eh ben, je t'avais dit avant de partir la dernière fois, il y a une grotte. En bas? En haut. Et redescend. Oui. Bah, j'ai pas vu. Et que c'était peut-être ça la solution à tous nos problèmes. Ça, pourtant, j'ai fait à peu près le tour et j'ai pas vu de grotte. Bah, moi aussi, mais peut-être qu'en fait, la sortie, elle est genre taillée dans un caillou un peu plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Dans un caillou? Dans un caillou. Oh, mon caillou. Mais je sais pas plus. Où est-ce que j'ai vu ce trou? Mais je crois que c'était dans l'autre partie. Je vais aller inspecter ça. Inspecteur la maraude. Ici pour défoncer des culs. D'accord. Oh putain, j'ai la poitrine en feu à cause de ce putain de pollen de merde. Je me sens pas bien là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à l'autre. Enfin, mon personnage qui craint le soleil quoi. Pff. Attends, mais les mobs ça réapparaît par contre, les ressources ça réapparaît pas, mais les mobs oui. Aïe aïe aïe. C'est ce que t'es en train de me dire, donc le scorpion là il est réapparu. Là, ici je vais pinguer. Ouf. Ah mais non, ok, c'est une c'est un truc de d'ennemi. Salut Mikado. Inspecteur la maraude a pour but d'exterminer toute forme de vie alien car l'inspecteur est texan avec son gros chapeau et ses bottes en cuir de serpent. Absolument. Inspecteur la maraude va défoncer tous les fiacs qu'il croise. Mais ça en fait ça doit être juste être un camp d'ennemis en fait, ça doit pas mener vers faire quelque chose à mon avis, ça doit être fermé. Ouais, ça doit être complètement fermé. Et je vais juste mourir comme de la merde. Putain mais c'est dingue ça. C'est dingue. Dingue. De pas avoir fait de trucs de grotte qui aille de haut en bas, quoi. Un peu gravissime, moi, je trouve. Ça, c'est ça. 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 Il y a un portail là-bas. Hein? Carte de forge. Ok. Il y avait une carte de forge ici du coup. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Puzzle core. Ah oui, il faut défoncer tous les mobs de la zone, c'est ça? Il y a un lotus synchrone dans un coffre. Activer le mécanisme. Gemme d'activation. Imagine, ils ont fait un portail ici. Le portail ici, il va nous servir peut-être à... Il va peut-être... Je sais pas, il va peut-être dehors en vrai. Yo! Ce portail, toujours pas. C'est quoi? T'as activé le portail? Ouais, je suis en train là, il y a des ennemis qui sortent. Ah.
Ouille mes fouilles. Faites attention, inspecteur, la main rose est dans la place. Il a besoin de bière. Y'a pas de bière là, y'a pas de bière, bordel. C'est bon, le portail est ouvert. Portail est ouvert, je répète. Je répète, Star Command, ici Star Command. Le portail est ouvert. La société, on vit vraiment dans la société. Et nous sommes... Ah, donc c'était pour revenir en bas? Non? Non, non, peut-être pas, attends. Par contre, il n'y a pas de retour. Non, on est dans une autre galaxie, univers, multivers. Ah oui, non, c'est juste un truc puzzle comme on avait fait la dernière fois, en fait. Un truc de marde. Mais c'est de la merde. Qu'est-ce que je peux me débarrasser de quoi là? Des branches? Des blocs de pierre? Des blocs... en vrai, je vais m'en débarrasser un peu, hein. Hop, les... Je suis pas sûr qu'avoir un stack de sens soit si... si bien que ça. Qu'est-ce que tu voles dans les coffres encore? Rien. Tout ce qui est dans les coffres est à moi. Ah ouais. Ouais. Tout ce qui est à toi est à moi, mais pas le contraire. D'accord. Fais comme ça. C'est pas... C'est pas comme ça que ça marche? Normalement non. Ok. Et bah maintenant c'est comme ça que ça va fonctionner. Dessus. Y a un truc. Ah, y a des pièges. Comme d'hab. Ah, y a encore des pièges. Bon, on descend pas. Y a des pièges. Et en plus, y a des araignées. J'avais dit suivre les araignées. Pourquoi c'était pas suivre les papillons? C'est vrai ça. Pour aller en haut là. Tu peux monter Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut aller où? Faut aller là. Où ça, là? Là. Là, là. Ah oui. Il faut faire des jumps. Il faut faire des jumps en passant par là. Rums. 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 C'est moi qui ai trouvé. Comment ça? Comment ça croupisse? Ah oui. Non, bah déjà, si elle arrive pas, ça groupe bien. Elle peut aller bien loin, celle-là, hein. Hein? Pas vrai, la team? La team. Récupérer le tas d'essence, il faut que tu viennes. Oh, 29, c'est pas mal. Par contre, c'est du R2, pas du R3. Ça fait rouler, là, un peu, hein. Je veux pas dire, mais on s'est un peu fait rouler dans la farine. C'était où après? Plus. Non, c'était pas là. Ah, il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Les ennemis de mes amis, de mes ennemis, de mon ami, de mes ennemis sont mes ennemis amis. Une oasis is good! Un oasis. En fait, c'est quoi comme catégorie de jeu? C'est Nightingales. Enfin, le jeu, c'est Nightingales. Le type de jeu, c'est Survie Craft Explo. Survie Craft Exploration. Voilà, un peu de ça. Un peu de ça, un peu de ça. Le contexte, c'est de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, même si j'ai pas tout compris parce que c'est très. C'est très, comment dire, ça part un peu dans tous les sens, le lore. On est des mecs qui voyagent, on est des voyageurs, qui voyagent entre les mondes. Et le but est de retourner sur la Terre, je crois. Oh, un truc dans le genre. Au royaume des fées. Non, le but est d'aller au royaume des fées. Ouais, bon, j'avais pas tout capté du coup. Ouais, je crois, hein.
On est des humains. Ils veulent aller au royaume des fées. Voilà. Apparemment. J'ai vraiment tout compris au lore, c'est ça qui est bien. Et pour ça, on doit faire plein de trucs chiants. Le jeu était très bien au début. Et plus on avance, et plus il casse les couilles. Donc voilà. Alors pourquoi on y joue encore? Parce qu'on a quand même envie de découvrir ce qui va se passer. Mais je sais pas si on va aller jusqu'au bout. Après, le jeu est en early access. Donc c'est à prendre en compte, bien évidemment. En fait, le problème du jeu, c'est qu'il est bien, mais il y a des trucs qui sont rébarbatifs et qui n'étaient pas obligatoires, en fait, à mettre dans le jeu. Et ça, c'est le vrai problème du jeu. Et ça fait aussi partie de la catégorie des jeux de survie craft où t'as plein de tiers différents. Et que pour avancer dans un tiers, t'es obligé de refaire tout le tiers d'avant. Enfin, genre, c'est trop chiant, en fait. Ça qui est plein. C'est super. Pareil. Mon inventaire est trop lourd. Et ben... chiant, ça. What? Pourquoi ils ont perdu de la vie d'un coup, eux? Ah, on peut miner. Ah, on peut récupérer des pièces métalliques en minant les cœurs de petits robots, je savais pas ça. Yes, oui, trop lourd. Il y a des pylônes à activer, mais... C'est toi le pylône. D'accord. Voilà. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Ouais, non mais... On voit bien, ouais. Là, il y en a un, ouais. Pylône de fée. Ah, c'est rouge. Je pense que je vais faire pop des mobs. Ah, mais en fait, c'est les pylônes qu'il faut activer dans l'ordre, en fait. Ah. Ah oui. Comme la dernière fois, en fait. Ça va être un sup, ils sont beaucoup à chaque fois. Ouais, ils sont pas mal. Couchez, Médor, couchez. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez les robots! Je ne vous veux pas de mal, les robots! Je suis plutôt intéressé à être votre ami plutôt que votre ennemi. Potion glacée modérée, potion purifiante forte. Votre inventaire est trop lourd. Il est où mon PNJ là? Viens ici mon PNJ. Qu'est-ce qu'il fait contre le pylône? Putain, il y a des pylônes en bas, en haut, quelle horreur. Travaille pour vous. Gérer l'équipement et l'inventaire. Putain, c'est vrai que je lui avais mis du minerai scintillant sur lui. Putain, il a 82 blocs de pierre. Voilà, dinguerie. Mais eux, ils ont pas une capacité en poids. Ils ont une capacité en stack de trucs. Ouais, je crois. Oh putain. Oh putain. Putain, va falloir faire le truc, hein. Pas le choix.
Je crois qu'on va être obligé. On va devoir faire ce truc de merde là. Putain, il y en a un en haut. Ouais, mais je crois qu'il faut aller en haut de toute façon pour avoir le PDV. Le PDV. Le point de vue. Vraiment, hein, le pollen, j'en peux plus, hein. J'en sais. Et mes poumons, ils sont en feu. Le premier, je sais pas où il est. Mmh. Je l'entends, mais... Bah, peut-être c'est un que tu vois pas de ton point de vue, c'est tout. Mais non, jure. Je te jure. Bah, c'est lui, en bas là. Après, il y en a un au fond là-bas. Ouais, c'est lui. Ah, c'est lui, ensuite c'est le mien. Ah merde. Bah, là, on est obligé de faire la séquence. Attends, je vais faire le deuxième. Fais le tien maintenant. Et il en reste un quelque part à faire. Non ? Ah, bah non, c'est bon. Il y en avait que 3. Ah bah heureusement. Parce que la dernière fois, il y en avait beaucoup plus la dernière fois. Ouais. Il devait y en avoir 5, un truc dans le genre. Là. La sortie est là. Et là, et là. Un je ne sais quoi. Atteindre le portail, quête terminée, récupérer ta décence, 29 essences, avec gros coffre à la clé, lotus synchrone, il pourrait y avoir d'autres... Oh ouais, oh la dinguerie. What the fuck, on n'a jamais eu un truc aussi... aussi généreux. Après c'est que du R2, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'avoir de donner du R2 dans une zone R3 quand même. On se fait un peu rouler quand même au final, mais bon. Ouais, il nous en fallait du... Ah mais non, c'est du R2. Ah mais non. En fait, on est au R2, je dis de la merde. Ah mais oui, non, on était au R1 et maintenant on est au R2. Ah mais non, mais non, mais non. Non, non, non. Bah non, c'est parfait. Mais non. Ah mais non. Ah mais non. J'avais zappé, en fait. Non, non, on est au R2. Ouais, du coup, on a masse R2, en fait. C'est... Non, c'est nickel. Hey, on a du R2, il nous manque plus que du D2. Hey. Vous l'avez la team ou pas celle-là? Trop drôle. Non, parce que c'est une ref, faut l'avoir quoi. Genre c'est pas du tout connu en plus hein. Il y a encore des trucs dans le coffre. Non, j'arrive plus. Je pouvais pas prendre le... Et du coup ça va sûrement nous remettre en haut en fait hein. C'est de la merde. Sûrement. On s'aime de la merde. Putain, pourquoi mon fond vert il pète un câble comme ça là? On pète un câble. On pète un câble. Il est là le com. On pète un câble là. Un câble. Un câble. Ouais, ça dépend en fait. Mais... Le problème c'est que si je lui mets trop. Après moi ça me cut un peu, mais bon vas-y hop. On va faire ça. On va faire ça. Et oui, effectivement, nous sommes revenus au point. Initial. Bon écoute, c'est pas grave, au moins on aura fait un peu de monnaie. Hein? On va pas se plaindre celle-là. Moi? Ouais non, parce que je t'entends là. Quoi? Ouais, je t'entends là. Je crois pas. C'est pas toi qui décide d'abord. C'est pas toi qui décide. Hein. Parce que c'est moi qui l'a raison. Ah ouais? Ouais. Putain. Bon bah voilà. Hein. Donc tout ça pour dire qu'il faut qu'on fasse un putain d'escalier quoi. Je pense qu'il va falloir redescendre. But how?
comment faire. C'est quand même dingue d'avoir fait un truc comme ça. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais on n'a pas trouvé. Va refaire de la viandasse. C'est que ça fait un moment qu'on est parti du camp. Le jeu qui pète des caps tout seul. C'est que je sais même plus par où moi je suis monté à la base. T'es encore dans la grotte? Non, pas du tout. Sorti. Ah. Pourquoi toi t'y étais encore? Non. Mito. Non, je suis dehors. J'avais pas compris en fait. Je pensais que tu savais pas comment t'étais descendu dans la grotte. Ah, ok. Mais oui, question. T'as aussi le petit chapeau à gauche de ton écran? J'ai aussi le petit chapeau à gauche de mon écran, absolument pas. Non? Non, je n'ai pas de chapeau à gauche de mon écran. Quelle est cette question? J'ai un petit chapeau jaune. J'ai un petit chapeau jaune. Je ne comprends pas. Ah, c'est mon équipement. Ah, mais c'est parce qu'il est pas en forme. Mon turban n'est pas en forme, exactement. Attends, il n'y a pas un truc à faire là pour descendre? Ça m'a l'air pas mal ici là. Là on peut remonter, non? Non, j'ai fait une connerie là, je suis descendu alors que j'aurais pas dû. Non, si, on peut. Y a pas de souci ici. De souci ici. Donc c'est là. C'est là qu'il faut peut-être construire un truc et encore. Là, on peut remonter là, non? De souci ici. Après je peux tenter de faire un truc. I can tent. Hey Billy Boy, inspecteur la maraude, a besoin de zigouiller tout ce qui bouge. Hey, mettez surtout pas des arbres devant moi parce que moi je les zigouille. Et là, on va juste construire quelque chose. Inspecteur la maraude en mode construction. Comment on construit déjà? Fondation rudimentaire, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi, inspecteur la maraude ici. On va faire un escalier. Mais pas n'importe quel escalier. Je crois que je vais pas pouvoir comme ça en fait. Maintenant c'est gameplay BTP bûcheron exactement. Malheureusement le gameplay BTP il est pas très pas folichon moi je trouve, mais bon. Avec. Ça me fait avec hein. Tac. Ensuite. Escalier de type rudimentaire. Est-ce que j'ai de quoi le construire en vrai? Oui. Mais il va être chiant. Vers la gauche. Mais. Parce que tu vois, la dernière fois, il me faisait chier comme ça, j'y arrivais pas. Oui, voilà, parfait. Bien vu. Et là, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus, c'est bon. On pourra remonter. On peut remonter au moins. Oui, on peut. Juste forcer. Voilà. Comment ça passe. Okay. Ça passe. Donc là, tac, tac, tac. Là, ça devrait être bon.
Ah oui, bah c'est à peu près par là que je suis montée, moi. Ouais, bah je pense aussi, ouais. Mais en vrai, j'avais réussi à monter sans escalier, je... Oui, moi aussi. Mais bon, si on peut simplifier un peu la vie, on le fait, hein. Écoute-moi. Ouais, c'était par Pas là. d'acheter les diplômes sur le dark web. Même pas sûr qu'ils aient les diplômes, hein. Même pas ceux du dark web, hein. Là, ça passe. Là, je sais pas si ça passe de là à là. De là à là. Pau. Là, on peut se faire un petit truc comme as. Voilà, on se met bien. Tac. Ah, ça veut pas le construire. Ah si, c'est parce que j'ai... Attends, lève-toi. Lève-toi. Parce qu'on est dessus, je crois. Non. Et considère qu'on est dessus. Non, même pas. Ouais, ok. Bon, il a mis du temps à venir. Est-ce que genre de là, 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 voilà, ok. Comme ça, en plus, on voit un peu des constructions. Comme ça, on sait que c'est par là qu'il faut passer. Ensuite, ça, ok. Après, il y a ici. Je peux pas construire... Plus haut. Plus haut. Puis plus haut. Toutes les étoiles qui brillent en toi. Haut. Il a pas très beaucoup d'envie. D'envie. Pourquoi j'ai fait une liaison qui n'existe pas? Simplifier la vie, il faut quand même forcer pour monter sur l'escalier, c'est vrai. T'as pas tort là-dessus. Fait chier. Ah, ok. C'est un truc là. Un semblant de truc là. Allez, construis-toi, Bobby. Ok. Tac, 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 tac. Parcours, parcours. Ok, on remonte ici. Tac, tac, tac. Ok, ça le fait, ça le fait. Tac. Puis après, bon bah ici, on se démerde, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, on peut refaire encore un escalier. Bah, c'est pas un problème. Qui voit des problèmes? Moi, je vois que des solutions, perso. Ça, c'était vraiment pas un escalier utile, ça. Dans le petit... Non, style pas utile, ça c'était vraiment pas utile. Ça va plus à remonter du coup. En fait, ce qui est chiant, c'est que cette pierre polie là, tu peux pas monter réellement dessus en fait. Un peu relou. C'est un poquito relou. Et sec! Ouais, non, mais il n'y a pas besoin en fait. Hein. Il va naturellement. Mais pourquoi j'ai une porte? Pas une porte? Je veux des escalators. Oui, il y a un plan là. Et je veux pas une porte. Il est complètement con celui-là. Rassurez-moi. Est-ce qu'il serait pas complètement con celui-là? Ok. Non mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Testons. Allez, juste passage un peu chiant là. Faut construire un escalier ici là. Oh.
Là, faut monter en fait là. Juste un peu relou. Et là, 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 faut un escalier là. Là, c'est bon. Non, mais je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que ça sera plus facile avec un escalier. Enlève-toi, je t'en supplie, merci. T'imagines, je te supplie de t'enlever. T'imagines un peu la chose là. Voilà, c'est juste pour que ça soit plus simple. Tac, tac, tac. Tu vois, moins on grimpe, mieux est la vie, tu vois ce que je veux dire. Mieux est la vie, putain. Ça va falloir un peu grimper. On pourrait encore remettre des escaliers, mais... Mais bon, à un moment, c'est juste monter une fois. Enfin, réussir à monter comme on veut. Là, on pourrait simplifier un peu la vie, peut-être, là. On pourrait mettre un autre escalier ici. Et là, j'arrive à mettre un escalier. On est pas mal. Hop. Voilà, parfait. Et là, si on peut faire mieux aussi, ça peut être pas mal. Si genre là, on peut faire un peu mieux. Moi, je dis pas non. Genre juste un escalier qui colle l'autre. Genre, c'est pas possible, ça. Y a pas l'air de vouloir me le proposer, le jeu. Un peu relou. Attention, un escalier peut en coller un autre. Pas très envie. Il n'a pas très envie. Je sais pas si je suis pas obligé de refaire une base en fait. Une base. Genre je fais une base là. Ah ou sinon une base là. Il y a peut-être un truc là. Une base là. Et un escalier genre comme ça. Non, arrête d'être con, merci. Comme ça. Oh, j'ai plus assez de branches. Est-ce que t'es dans le coin ou pas du tout? Je suis en train de me battre. Ah yes. C'est bien le moment. Est-ce que t'as des branches toi? Non, il n'a pas de branches. Par contre, il a tous les blocs de pierre, sinon on construit en pierre. Merde, est-ce que j'ai récupéré les trucs? Je sais pas. Ah, apparemment oui. Ça a construit ici. Ça. Donc voilà, on peut faire ça comme ça en vrai. Après, si je voulais forcer, je pourrais mettre un escalier ici. Mais ça fonctionne, hein, on fait comme ça. Ça dépend si on veut faire les choses bien. Je crois que j'ai plus trop les ressources pour faire les choses bien, en fait. J'ai plus de palette de bois et... Ah oui, pour faire les trucs en pierre, il me faut... des blocs de pierre. Est-ce que c'est des blocs de pierre que j'ai? Oui, c'est des blocs de pierre, ok. Bon, on peut faire des trucs en vrai. On peut faire des trucs en pierre. En pierre. Escalier. Il n'y a pas d'escalier de pierre? Si, il y a des escaliers de pierre quand même. Ici. Ah, ou peut-être je les ai pas achetés. Du coup, je peux pas les faire. Ah, c'est peut-être ça qui est en train de se passer. Ou alors c'est dans autre chose que dans rudimentaire? Non, si, c'est dans rudimentaire. Non, je pense que je les ai pas achetés en fait, c'est ça le problème. Portail rudimentaire. Il faut qu'on regarde un peu les questions des portails parce que peut-être en fait on pouvait. On peut peut-être construire des portails dans le monde en lui-même, tu vois. Et c'est juste un portail pour aller d'un point A à un point B dans le même monde. Je pense pas. Ah, on peut créer des anneaux d'effet qui nous fait des points de réapparition. Je sais pas, hein. Portail rudimentaire. Ah, ça se tente, moi, je dis. On verra ça plus tard.
En fait, je peux faire des fondations rudimentaires en pierre, mais j'ai pas les... Ah si, j'ai les escaliers en pierre. Pardon, excusez-moi. Scoussez-moi. Scoussez. Ça marche pas. Ah mais c'est peut-être à cause de ça que ça marche pas. Scoussez. Je suis trop lourd. Oh non, en fait, c'était le même que tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux là? Non mais il y en a encore un. Pourquoi il veut pas que je construise un truc là? Il veut que je construise un truc en bas mais pas en haut. Est-ce qu'il faut que je refasse... Peut-être qu'il faut que je refasse une plancha. Waouh. Alors ça... Ça c'est beau ça. Ça... Ça a de la gueule. Bon, et puis voilà, hein, ça ira bien comme ça. Hein. Ça ira bien comme ça. Viens ici, Jean-Charles. Faut que je te redonne la pierre. Donc là, on monte comme ça. Tac, 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 c'est super. Ensuite ici, paf, paf, pif, pouf, paf. Voilà, même pas besoin de s'accrocher. Et là, bah, c'est bon. Ah c'est bon. Pour rejoindre le haut. Ok bah nickel. Super, on a enfin fait cet escalier de ces morts. On avance un peu. 40 minutes pour faire ça. C'est eux là qui te poursuivaient là. Il y a un mammouth et un robot là. Ouais, je voulais qu'ils se battent entre eux, mais... Le robot, il est encore sur tes côtes, hein. Bah non, c'est un autre, figure-toi. Le premier, je l'ai tué, et le deuxième, bah j'ai plus de munitions. Vas-y, je suis là, on peut le tuer, si tu veux. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils craignent pas beaucoup, là... Ouais. Les armes. Faut qu'on... C'est vrai qu'ils sont forts, eux. C'est vrai que je suis en train de me faire défoncer le cul là. Aïe, putain, il explose à la fin quoi. Le con. Et le mammouth, le mammouth, on va le laisser tranquille. Hein. Alors, c'est où la maison? C'est là-bas. On va mettre une petite balise. Ah mais non, mais il y a déjà la balise qui apparaît là. Faudrait refaire des potions aussi. Il y a tellement de trucs qu'il faudrait qu'on fasse. On va retourner au camp, on va essayer de faire des trucs. C'est quoi le but là? Obtenez le composant du stabilisateur de portail, obtenez lingot de pellucidia gravé. Obtenez cœur d'ancien éoten, obtenez huile magique d'automate. Eh ben, on a des choses à faire. Hein. Ouais. On sait pas où sont les trucs, mais ça doit être marqué dans la quête. Déjà, je crois qu'il y a des trucs à faire ici. Il doit y avoir un truc de fait à faire, j'imagine. C'est tellement long. Après, de toute façon, on n'a pas besoin d'y retourner H24, hein, l'avoir, mais... Mais elle est loin, c'est à noter.
Vous souffrez d'une faim vorace. À ce point-là. Bah mange. Non, moi je suis pas un mec qui mange, moi. Bah j'ai plutôt de conseils. Pas rien dire d'autre. Vraiment, merci pour ton intervention. Bah des os quoi. C'est le conseil que je te donne, tu me dis nénibitibité. Alors j'ai pas dit ça comme ça. Bah moi c'est ce que j'ai entendu. Tu dois dire oui, bonjour, comment allez-vous? Je me présente, je m'appelle Henri. C'est où la maison là? Putain c'est loin ouais. Oui, c'est ce que je viens de dire. Écoutez un peu. Non là, putain. Ouais, j'ai pas voulu me battre moi. Je te le laisse. Super, merci. En tout bien, tout honneur. T'es vraiment un mec sympa. Hein. Oui. C'est littéralement mon deuxième prénom. Mec sympa. Réussir ma vie, être heureux. Non, être aimé. Être aimé. Être beau, gagner de l'argent. Ah oui, du coup, je vais pouvoir acheter des trucs là. Piolet raffiné. En fait, c'est peut-être ça qu'il nous fallait. Piolet raffiné pour monter là. Marteau raffiné. Pour faire des petites réparations. Ah, tu peux genre réparer des. Ouais, je vois. Tu peux réparer les oui. Constructions. Flamme d'hermétique. Cet enchantement couvre un outil de flamme qui inflige des dégâts de feu. Au coup suivant. Oh, des enchantements. Mais bien sûr. Cet enchantement permet d'envoyer au coup suivant une onde qui repousse les ennemis. Oh, waouh. So much wow. L'arme. Alors attends, avant d'acheter des trucs que je vais regretter. Si on va acheter les cartes parce que ça c'est important. Potion. Cuisine. Boulette de poisson. Lumière, on s'en fout. Construction désert. Ensemble basique du désert. Les fondations, les escaliers, le cadre. Ça pourquoi pas. Canon d'artillerie. Vraiment ? Ah mais ça doit être un truc qui bouge pas de la maison. Ah oui, c'est une augmentation. À la prendre. Fabrication, raffinage, on a tout. Fabrication, base et réparation. Bonfire. Ça oui. Ça par contre, il n'y a pas assez de... J'imagine avec les R2, on peut peut-être faire des R1. Dans la logique des choses. Dans la logique des choses, on doit pouvoir faire ça, je pense. De toute façon, faut tout acheter là, y a pas le choix. Ça m'aura servi à acheter tous les plans. Bon, alors par contre, les plans de ça, je m'en branle. Par contre, maintenant, il me faut du R1. Donc la question c'est, est-ce que je peux faire du R1 avec du R2? Moi, je pense que oui. Extraire. Ah, quoique. Ah non, je pense pas en fait. Ah non, tu peux pas faire de R1 avec du R2. Ça te fait directement des poussières d'essence en fait. Ah. Bah, par contre, ça donne une quantité colossale de poussière d'essence. Hein. Une R2, c'est 250. C'est énorme. C'est énorme. Mais ouais, on peut pas faire du R2. Par contre, c'est con de pas pouvoir faire du R1 avec du R2. Peut-être avec une machine, en vrai. Peut-être avec un établi ou je sais pas quoi. Parce que c'est un peu con, en fait. Il est où ton cœur ?
Et boum. Ça dégage le gros pachyderme. Putain, c'est quoi cette maison? On peut pas rentrer par les fenêtres là. Bah non, ça se fait pas en fait. Fais ce que je veux si c'est chez moi. Bah... Si je veux rentrer par les fenêtres, je rentre par les fenêtres, bordel. Bah non. Comment ça non? Ça se fait pas. Comment ça, ça se fait pas? Qui c'est qui décide de ça? Bah moi, j'ai décidé. Que ça se faisait pas. Ok. 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 Je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais vas-y, ok. Bon, bah, je crois que... Je sais pas quoi faire. En fait, je sais pas si on s'établit une grosse base. Genre, si là, on y va, tu vois, on commence à reconstruire des trucs R1, R2, là. Enfin, R0, R1, plutôt. Ou si juste on va pour faire les quêtes. Parce qu'en fait, ça se trouve, juste on fait les quêtes et on va se casser. On n'a pas besoin de rester plus, tu vois, en fait. On est peut-être pas obligé de rester. Comment ça se fait, les trucs en désert? Ça se fait en briques. Ok. Ça a l'air joli, hein, en vrai, les constructions en briques. Hein. Ouais. Ça a l'air vraiment très très beau. Je suis du père là. T'es du père? Je suis du père. Je sais pas quoi faire. Il y a trop de trucs à faire. Mais bah ouais, mais je suis pareil que toi. Je suis pareil que toi. Il y a trop de trucs à faire. Alors attends, journal. On va regarder un peu. J'ai peur et j'ai la flemme aussi. Ah. Je comprends. Cœur d'ancien éotène. Le cœur d'ancien éotène servira de source de chaleur pour le stabilisateur de portail de Nelly. Je pourrais trouver un ancien éotène et le tuer pour prendre son cœur. Je pourrais demander l'aide d'un expert en esprit des mondes pour trouver une solution plus pacifique. Un expert en esprit des mondes? On peut obtenir des cœurs d'anciens éotènes en tuant un ancien éotène ou en faisant une offrande à un ancien éotène. On peut trouver des anciens éotènes dans le monde de forêt de chasse. Oh, t'es sérieux? Géant du soleil. On peut trouver les géants du soleil dans les mondes de désert de chasse. Oh. Ok, c'est mort. On peut trouver l'huile magique. On peut trouver des automates food dans n'importe quel monde de désert, d'astrolabe, d'ingéniosité, d'herbarium, d'obscurité ou de chasse. Bon alors, l'huile magique d'automate, on peut la trouver ici par contre. On peut faire ça. Mais du coup, il va falloir ouvrir deux autres portails. On n'a pas le choix pour aller trouver les autres trucs. Putain, oh le monde des géants. Après, hein. Il va y avoir des géants. Ouais, putain. On a intérêt à être bien préparé. Hein. Mais en fait, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Faut qu'on fasse une base ici. Hein. Si on veut s'améliorer. Bah oui. Ah, oh, mais genre, quand je dis une base, c'est une vraie base. C'est-à-dire, on refait tout le R1, tout le R2, on refait tout, tu vois. On refait tous les. Ou alors, on retourne en arrière, on dismantle tout et on ramène tout ici. Je crois qu'en fait j'avais oublié, j'ai un rendez-vous. Genre chez le dentiste là. Vraiment? Non, je déconne. Ah ok. J'étais en mode mais... Non non en fait ok, c'était juste t'as pas envie quoi, je comprends. je l'ai vraiment pris premier degré. Mais en même temps tu vois ça m'étonnerait pas. C'est ça aussi le truc. C'est que c'est pour comment ça que ça fonctionne. Non, j'oublie jamais mes rendez-vous. J'ai jamais les rendez-vous sauf quand c'est avec moi. C'est pas la même chose, je me rends pas. Non, je comprends, tranquille. Et pour des faits. Obtenez des cœurs d'anciens Oten. Et Oten, bah, je t'ai dit tout à l'heure, il faut aller dans un monde de forêt. Donc de là, chasse. Ici, on peut juste faire l'une magique. Magine, exactement. T'as tout capté. Donc on va aller faire ça d'abord. Let's go démonter des automates. Hein. Par contre, faut qu'on se refasse des balles. Oui. Enfin non, en fait, il faut qu'on trouve ce qu'ils craignent. En fait, c'est surtout ça.
Ce serait bien de comprendre ce qu'ils craignent, de savoir de quoi ils sont pas bien. T'as compris ? Et puis en plus, on peut même pas se faire de balles là actuellement parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour en termes d'établi. Et c'est pour ça là, je te dis, est-ce que pose un maximum de trucs dans les paniers là. Bah, j'ai posé déjà plein de trucs. Alors attends, c'est quoi déjà les touches ? Transfert équivalent. Ok. Équivalent. Et là j'ai d'autres trucs, j'ai ça. Alors si par contre ce qu'on va faire, c'est que je vais faire de la viande avant de partir. Parce que là ça commence à être un petit peu critique. Ah ouais, moi ça va. Hein. Ah ouais? Mais j'avais encore 20 viandes. Le PNJ il est en train de brûler. Chais. C'est trop duc. Bah alors Edgar. Fait pas assez chaud? J'avoue. Con. Con, hein. Ouais. Carte de tomate, je vais peut-être le poseille. Poseille. Tous les équivalents sont posés. Ok, bah je vais mettre le reste. Ça, il va peut-être falloir reconstruire un panier en fait. Charbon, fil métallique. Ballot de bois. Ouais. T'avais du bois d'œuvre. Ah oui, bien vu. Ah, putain, ah du bois d'œuvre. Ah mais bois d'œuvre, il y en a pas ici. Il nous en manque qu'un seul. On peut pas en faire ici du bois d'œuvre. Enfin, en gros, si on veut faire le bois d'œuvre, il faut qu'on fasse une scierie là. Ouais, faut faire la scierie. 10 scieries. Établi raffiné, table de couture. On va se retrouver dans les trucs. Station de maçonnerie. Tu fais une recherche. Planage. On peut faire. Ah oui, ouais. Ah putain, j'avais même pas vu. Après, les noms sont en anglais, non? Non. Sillage. Ouais, ça s'appelle sillage. C'est bon, je l'ai posé. Alors attends, il nous faut. Ah, tu l'as trouvé. Ah non! Quoi? Fibre animale. Fibre animale, on peut le faire sur le tannage, je crois, non? Oui. Ah, ça va être sans fin. Malo de bois. Station de tannage. Fibre animale. 4 fibres animales. Il faut 2 viandes pour une fibre. On va pas récupérer de la fibre animale juste comme ça là, non? Pas fait toute la viande. Non, non. Il en faut combien de fibres? 3. Ça, j'ai de l'huile sur moi, mais c'est pas l'huile qu'il faut. Ah, mais il nous faut de l'huile magique d'automate. La recette de l'offrande pour automate fou s'obtient auprès de Victor Frankenstein. Victor Frankenstein se trouve... Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? L'huile magique d'automate s'obtient en tuant un automate fou ou en lui faisant une offrande. On peut trouver des automates fous dans n'importe quel monde. La recette de l'offrande pour un automate fou... Ah, mais oui. Parce qu'en fait, t'es pas obligé de tuer les mobs, en fait. Enfin, les automates, tu peux faire des offrandes.
Monde de désert d'Astrolabe, sauf qu'on est obligé, si on veut faire l'offrande, d'ouvrir un portail vers un désert d'Astrolabe pour aller chercher un mec, pour qu'il nous donne une recette, pour qu'on fasse l'offrande. Oh, c'est bon. D'accord, ouais. Et c'est quoi les automates fous? C'est les gros trucs qu'on vient de battre, là, qu'on a battu tout à l'heure, non? C'est ça, un automate fou, je pense. Peut-être. Bien vu. Je crois que c'est ça. Je sais même pas si je peux les mettre en fait ces cartouches là. Les mettre? Ouais. Après il est censé les mettre automatiquement. Je sais pas si tu peux choisir les cartouches que tu veux mettre dans ton pistolet. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Parce que ouais, on en a d'autres, mais... Cartouche de revolver calibre 44. Après, c'est pas écrit pour les autres. Ou alors, ça se trouve, c'est comme dans Palworld, il faut une arme de feu pour utiliser les cartouches de feu, une arme empoisonnée pour des armes empoisonnées, etc., etc. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pareil d'ailleurs, les billes pour la rebalette. La rebalette. J'en avais des simples et j'en avais des ouais. Électriques. Ah mais il fait nuit. On peut pas faire de petit dodo, bon c'est pas grave. Oh putain. T'inquiète. TKT. Et ben, on se casse alors, on essaye. Mais tu sais que je sais plus où il était notre dernier camp, je me souviens plus du tout. Quel dernier camp? Et ben, le camp où on a récupéré un max de trucs. Enfin, où on avait construit un max de trucs. Non, tu veux pas retourner dans l'ancien camp pour tout démanteler? Et on rapporte tout ici? Non? Dans l'autre monde, tu veux dire? Ouais, dans l'autre monde, ouais. Ou tu veux repartir from scratch et on refait tout là maintenant? Franchement, je sais pas. En fait, le truc, c'est que si on détruit tout, déjà, on récupère pas le max de ressources. Hein. Ah bon? Ouais, non. C'est ce que j'avais fait. Quand j'avais reconstruit la maison, la plus grande et en pierre, j'avais dû refaire des trucs. Bah, au moins récupérer les ressources qui étaient dans les coffres, non? Ouais, on peut faire ça. Pas toujours ça. Il va falloir se vider. Alors, ouais, je suis complètement vide là. Ah non, j'ai menti, j'ai du sel sur moi. Merde, je viens de manger, fais chier. Casse les couilles, jeu de merde. Putain, j'ai mes poumons, j'ai l'impression que... Plus ça avance là le temps à cause du pollen, là, plus j'ai l'impression que mes poumons ne vont plus me laisser respirer genre un moment. Je te jure qu'il y a une pression sur mes poumons, j'ai l'impression que je vais crever là. Bah alors papy? Bah... Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il y a la tour de fée là, mais putain, à mon avis, là, si on la fait en l'état, là, on se fait éclater, non? Franchement, je sais pas. Il y a moyen. Enfin, il nous faudrait au moins des balles. Ouais, au moins des balles, ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça, je pose. La viande, j'en ai pas besoin. Mais t'as rempli tout ça? Ok. Bon, je vais poser là. Ça. Ah, y'a plus de place. Ok, et bah j'irai comme ça.
Il y aura un truc à récupérer là sur le chemin. Des essences R2 là. Et une carte, carte d'âtre. Et en même temps un petit pouvoir. Un pouvoir implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une grande responsabilité implique de grands pouvoirs. Oh, carte de chasseur, let's go. On n'aura pas besoin de la crafter du coup. Mais non. Je viens de trouver une carte de chasseur gratos là. Au secours. Au secours. Ah non mais c'est la nuit. Putain. Et je suis pas là en plus. Moi je suis déjà au portail là. Mais c'est pas la nuit, c'est mytho ça. En fait, il y a un cycle jour-nuit, même dans le désert, mais qui ne se voit pas, en fait. C'est un peu bizarre. Hein. Está un poquito bizarrus. Du coup... Merde. Mécanisme, porte en veille. No playable cards found. You can reopen this portal. Ouvrir le portail. Ils auraient pas mis un coffre au-dessus du portail là par hasard. Non. Pendant qu'on y est. What? What? C'est quoi sa vitesse à lui là? Sérieux ou quoi? C'est un genre, c'est un mob élite ou non, même pas. Bizarre. Il y a tellement de minerais ici, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Dinguerie. Oh, les portails, c'est tellement long à ouvrir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais dans le mauvais sens du terme. Oh, c'est long de fou. Salut. Que je me fasse un parapluie un jour. Oui. Ça protège vraiment de la chaleur le parapluie, ouais? Oui, oui. Okay. Zéro chaleur. Zéro chaleur. Oh, ce soir, je vais me coucher tôt, moi, parce que. Ah, dur, dur la vie, hein. Non, mais c'est bon, là, le pollen. Pollen là, il m'a dit hey, salut, et si t'as niqué ta mère? J'ai dit ok. Ok, cool. Voilà comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui se passait ici? C'est vrai que c'était joli ici, bordel. Ça me manque. Ça me manque, cet endroit, il était cool. Ouais. Avec les ours violets. Parce que je pense qu'on aura vraiment plus la nécessité de revenir ici, en vrai. Hein. Genre là, on s'est vraiment avancé dans un nouveau tiers du jeu, donc... donc ouais, je vois pas trop l'intérêt qu'on aurait à revenir ici. À part se refaire des trucs R1, mais peut-être qu'on va faire, moi je pense qu'à un moment on va faire un truc qui va faire en sorte qu'on ait du qu'on puisse faire du R2 avec du R1. Non, on puisse faire du R1 avec du R2. Tu savais que le parapluie ça servait aussi de parachute? Mais non. Je vous jure. Mais faut que j'en crafte un maintenant en fait. C'est où?
Maçonnerie établie. Bon, on fait un parapluie. Parapluie simple. Simple, basique, basique, simple. Il me faut de la peau. Il me faut juste une peau. Une vieille peau. Est-ce qu'il nous reste des vieilles peaux à part toi? Eh oh! Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, d'accord, ouais. Vous avez mal entendu. Comment ça, compétence non acquise? Ta mère? Ah, mais en plus, il s'équipe automatique. Ah, mais il se met en F. D'accord. Incroyable ça. En F. Edgar, viens ici! J'ai des choses lourdes à te faire porter. D'ailleurs, je lui ai pas enlevé ces autres trucs lourds. Bon, c'est pas grave. Tiens, prends ça, mon coco. Ce serait bien urbain. Ce serait bien urbain de prendre des trucs lourds, là. Merci. Je peux pas réparer mon parapluie, par contre. Ah, faut le recraft à chaque fois? Bah, je sais pas. Bizarre. Oh, 86 viandes on a ici, c'est quoi ce bordel? 90 os, putain. Oui, bah j'avais un peu chassé quoi. Non mais t'étais pas toute seule, abuse pas. Hein. J'avais. Pas, mais... Elle a dit j'avais direct, instantanément, elle a pas dit on a bien fait. Non, elle a dit j'ai, vous avez entendu un peu comment elle est? Non mais elle est horrible, hein. Horrible comme personne. Hein. J'avais joué de fou dans ce monde. Ouais, t'avais joué de fou, ouais, t'avais joué une heure là. J'avais fait tout le tour, alors quoi? Tu veux qu'on voit le combien d'heures? Tu veux qu'on voit? Et combien j'ai? Ouais, je veux bien. Vas-y. Je veux bien. J'ai. Non, je mytho pas, on le voit sur live, j'ai 16 heures de jeu. Alors? C'est combien? J'ai 25 heures de jeu. Bah, c'est que dalle, hein. C'est 10 heures de plus, hein. Ouais, juste 10 heures de plus que toi, ouais. Ouais, c'est que dalle, c'est ce que je dis. Ouais, okay, donc ouais. Vraiment pas de quoi te vanter au final. Ok, ouais, on fait comme ça, ouais. Bon, t'as récupéré le reste, c'est bon. Attends. Et des petits dodos avant de partir. Il est où le toit là? Le toit là. Tu vas me prendre des trucs lourds, s'il te plaît. Ouais, prends des trucs. Et Edgar là, reviens là. T'as cru que j'avais fini avec toi? T'es un fou lui. T'es un fou, mon pote. Les 90 os là, tu vas les prendre, hein. Et... Y'a rien dans ce coffre là. Et. Ah bah si, y'avait... Et. Y'avait des trucs. Hop. Bah après c'est plus la place qui me manque là, pour le coup. T'avais posé ta rebalette, tu la veux? Ma rebalette. Ouais, enfin en vrai je pense que je vais tout... En vrai, extrait les trucs. Oui, je vais extraire. Je vais extraire. Et l'arbalète, bah non, j'en ai rien à foutre. Hein. Moins bien que le pistolet. Hein. Donc je vais l'extraire aussi. Hein. Et puis v'là, hein! V'là, exactement. Et voilà, ouais, on se casse. Déjà. On se recasse. Comme ça, on a pas mal de ressources et on part pas de zéro, quoi. On part juste des zéros au niveau des constructions. Mais bon, ça, tu vas nous faire une joie d'y refaire hors live. Ouais, d'accord, ouais. Genre, vraiment, c'est un truc que t'as grave envie de faire. De fou. Franchement, je prends toujours beaucoup de plaisir à toi. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait que t'adorais cette partie-là, donc voilà. Il faut ce qu'il faut, écoute. Hein. Je prends le temps en ce moment, enfin, vraiment... Bien sûr, rien, t'as que ça du temps. Mais c'est vrai que ce jeu,
Il aurait pu être mieux fait en fait, on va pas se mentir. Ah ouais, on peut faire Mary Poppins, putain la dinguerie. La dinguerie. Oh non, un scorpide. Ah mais c'est la tour des fées. On fait la tour des fées. Bien, on va voir. Alors attends, deux secondes, je suis pas là moi. Elle est où la tour? Elle est là. En vrai, on peut tenter, hein. Mais on a pas de munitions quoi. Pas grave. Non. Pas grave. Après, ils sont à un autre niveau, hein. C'est juste quand il y aura les gros et le boss de la tour. Ça va être compliqué. Ouais, on avait fait au pistolet, hein. Ouais, je sais bien. Alors, on fera 100. Non, après, on n'est pas obligé de tout faire, hein. Si on voit qu'on est mal, on se barre et on continuera plus tard. Mais si on peut clean des trucs maintenant, on le fait maintenant et puis voilà. Voilà, déjà tu vois on récupère 15 essences, c'est pas mal. Aïe. Et les petits trucs explosifs de partout. Faudrait que je mange un cul. Pourquoi je vois plus le nombre de trucs que j'ai. Mon interface est encore buggée, ouais. Vraiment de la merde. Ah, je suis tombé dans un tracteur. Mais non. Si. Ah, je suis retombé dans un tracteur. Je suis retombé dans un tracteur. Bien, ça a pas l'air trop relou ici, c'est ça qui est cool. Bon, si c'est juste un labyrinthe, moi ça me va. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas, ce sera pas que ça. Deuxième étage. J'ai aucune idée de où je suis là, attends. Bah. Super ça. Ah ouais. Il y a des pièges de poison. C'est pas très très gentil d'être méchant. Pas très sympa. Oh. Non, j'ai réussi le labyrinthe. Let's go, je suis le roi du monde. Je suis le roi du pétrole. On m'appelle Petrolman. Et c'est fini. Bah après il y a le boss quoi. Non. Si. Je vais pas trop vous parler. Bah en fait c'est un gros méchant avec plein de petits méchants. Enfin, non tu me diras ça. Heureusement qu'il pop pas en même temps. Sinon ça serait un petit peu gênant. Des nouveaux eux, non? Et des assassins. Et des mecs du désert. Oh il m'a mis un mid HP hein, il m'a mis un. Il m'a mis un mid HP le cochon. Il est passé où? Ah ok. Maintenant, le boss. Non, pas tout de suite, faut l'activer. Attends, active pas tout de suite. Lampe de cheminot.
Ah mais non, il y a pas de boss en fait, si. Ah non, c'est bon. Ah non non, il y a pas de boss ici. Ah mais non, c'était dans les astrolabes qu'il y avait des boss. C'est pas la même chose. Carte d'artisan, carte butin du dragon, carte de chasseur. Sachant qu'on a rien en plus ici. Carte chasseur, jouer cette carte pour améliorer le rendement sur les créatures. Après carte de chasseur, j'aimerais bien la garder pour ouvrir hein, une truc chasseur. Butin de dragon. Améliorer le contenu des coffres et obtenir une chance de trouver des gemmes rares. En sachant que cela réduit votre résistance aux dégâts. C'est pas fou hein. Jouer cette carte pour augmenter la durabilité des objets fabriqués pour que les stations de fabrication soient toujours augmentées par l'environnement idéal où qu'elles soient. Pour les artisans qui ont du mal à maîtriser leur art seul. Ça, ça peut être pas mal. Après, ça dépend. Est-ce que t'as le truc... Après, si t'as le truc Mary Poppins... Pour cette map, avec que des trucs de désert, c'est trop bien, tu vois. Enfin, que des montagnes, pardon. Alors, c'était quoi, déjà? Parce que moi, je l'ai pas. J'ai pas réussi à retrouver une carte de Mary Poppins. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Non mais une carte d'artisan, j'en ai 3 et c'est pas mal en vrai. Alors ? Non, je crois que j'en ai plus. Oh, vas-y, je vais mettre une carte d'artisan. Mais en vrai, j'ai plein de cartes. Hein. Ah, t'as quoi ? Moi, j'ai artisan, butin de dragon et chasseur. T'as quoi de plus ? Ouais. Amphibien, moissonneur, atelier de rempart. Ouais, mais elle, c'est elle, elle vole tout. Dragon, carrière, chasseur, leste, puissance, serre, trésor. Forcément ! Forcément, tu voles tous les coffres. Et trésor. Bah, j'en sais rien. Je sais pas ce que font toutes tes cartes, donc j'en sais rien, tu vois. Bah, c'est... Parce qu'on passerait une demi-heure à regarder chacune de tes cartes pour voir ce qu'elles ouais, font, quoi. C'est ça, en fait. Donc, fuck, hein. Je vais mettre une carte artisan et puis voilà. Hein. Hop là. Après, ça change, hein. À tout moment, ça se change. J'aime bien ce moment. T'aimes bien ce moment? Ouais. Tu trouves ça cool? Ça sympa. Et ben nickel. Est-ce qu'on a des trucs de, sur la carte là? Non, ça a pas fait de... Ça a pas mis petit buff en bas à gauche. Mais bon. C'est vrai ça. Et oui, du coup on voit plein de trucs sur la carte maintenant. Pour faire les activités. Sachant qu'on va avoir besoin d'en faire parce que moi mes essentiaires 2 j'en ai déjà plus. Du coup là on peut sauter en mode peinard, on est d'accord? Avec vas-y, le parapluie. Tu me regardes? Vas-y. Portail des fous. Faut pas faire double espace. Hein. Oh, tu m'as fait. Je l'ai fait à la seconde, je l'ai fait à la frame près. Oh, putain. Je l'ai fait à la frame près. Mais même moi j'ai eu peur parce que l'animation a pas eu le temps de se déclencher. Oh, j'ai joué avec le feu. Et c'est passé. Pas mal le parapluie. Pas mal la robe. Ce n'est pas une robe. C'est une toge. Alors, El Cofred et El Papaya. Fais les petits avant de mettre tout dans le gros, s'il te plaît. Comment ça? Je te coucou néné.
Ah oui, il y a déjà plus de place dans le gros. Ah oui, il y a tous des artefacts et de merde. J'ai posé tous mes trucs. Enfin, t'es... No. Tu m'avais déjà volé. Et bah, faut refaire un gros coffre. En fait, c'est tout. Hop. Plus de place. Je peux mettre mon gros coffre. Je peux le mettre sur les petits sacs là, du coup ça les cache. Un peu bête. Par contre, on peut pas empiler les coffres, ça c'est dommage. Bah non, c'est logique en fait. Bah non, c'est pas logique. Bah C'est pas logique dans un jeu vidéo. Bah enfin. On joue à un jeu vidéo, hein, on joue pas à la vraie vie, à l'eau, hein. Ouais, mais quand même, quoi. Le sac est plein. Merde, mon sac est plein. Tiens, prends le reste qu'il y a dans le panier à poisson, là. Lequel? Le droite. On va le détruire. Je dois détruire tout à côté avec ça. Je suis en train de... Ouais. Mais en même temps, c'est de la merde ce jeu. Ah ! Mais putain ! Mais... Mais qu'est-ce que fait un putain de scorpion ici, genre ? Par contre, il s'est fait défoncer, hein. Je l'ai pas attaqué une seule fois, il s'est fait défoncer. Nos potes sont forts en vrai. Ouais, bref. Un coffre. Mais. On peut le faire rentrer si tu veux gagner de la place. Et voilà. Ça passe. Ça passe. Oh non, tu l'as fait à l'envers. Oh, je m'en fous, hein, c'est bon. Qu'est-ce que je m'en tape? Mais t'es nul, enfin. Mais t'es nul. Putain. Ouais, il est déjà plein. Et... Ouais, mais justement, on va dégager le reste, là. Tac. Tu veux pas, genre, aller niquer ta mère, Edgar, genre, vite fait? Non, je sais pas. J'ai cru que tu parlais à moi. Non, non. Et j'ai eu peur, hein. Attention. Attention. Bon, bah voilà, je détruis tout ce qu'il y a autour de moi. T'imagines, juste pour enlever des coffres, j'ai détruit toute la baraque, là. T'as détruit le mur, putain. Je vous jure, je voulais pas. C'est bois d'œuvre et quoi déjà pour le coffre? Bois d'œuvre et lingot. Et lingot. Ça va là les coffres là? Oh là là, mais. Mais c'est à cause d'Edgar là en fait. Bouge. Et la vie de ma mère, tu vas bouger. Sale chien, va. Non, je suis trop lourd, là. J'arrive pas à me déplacer. Eh, bouge. Putain, mais... PNJ qui rend fou. Équivalent. Ou... C'est bon, j'ai plus rien sur moi, let's go. On peut jouer au jeu. Repos. Et repos en même temps sur la VOD YouTube. Des bisous, ciao ciao!